Hello! Pour ce nouveau jour du Booktube de l'Avent, je vais vous faire un petit point lecture BD. J'ai lu 4 BD hier, 4 ou 5, 1, 2, 3, 4, 5 BD hier. Du coup, je vais vous faire un petit point lecture sur mes dernières BD. Il y en aura à mon avis 2 ou 3 tout au long du mois de décembre, comme ça je vais pouvoir vider ma pile BD. Je dis à chaque fois ça, puis je le fais jamais, mais bon, on va essayer d'y arriver. Pour une fois, vous avez une belle photo, enfin une belle... Vous pouvez voir correctement, je ne trouve plus mes mots aujourd'hui, ça a bien commencé. L'affiche sans trop de reflets de Mémoire de la Forêt, voilà. Parce que d'habitude vous l'avez, mais avec du reflet, ou alors je coupe du coup pour pas qu'on voit. Bref, on s'en fout, je viens ici pour faire un point BD. Du coup j'ai lu 5 bandes dessinées, elles sont toutes ici, et je vais commencer directement par ma préférée de toutes. C'est Le Passager de Cyrielle Pissapia. Cyrielle Pissapia, elle est active sur Instagram. Elle fait des illustrations, etc. D'ailleurs, il faut que j'aille suivre sa page parce que j'adore ses dessins. Donc voilà, ça me tente vraiment d'aller suivre sa page Instagram. Cet ouvrage, c'est une autofiction. Voilà, c'est Cyrielle qui nous raconte comment elle a vécu l'arrivée d'une maladie qui est donc la sclérose en plaques. Elle a appris qu'elle était atteinte de cette maladie assez jeune, à 27 ans, alors que à ce moment-là, elle était bien en couple, ils avaient des projets d'enfants, etc. Et ça a complètement bouleversé, évidemment, son quotidien, sa vie, voilà, ça l'a bouleversée en elle-même. Au tout début, en fait, ça a commencé avec des petits fourmillements. Elle comprenait pas ce qui lui arrivait, on lui disait de pas s'inquiéter, que c'était rien, simplement la fatigue. Et puis ça a commencé à s'empirer avec des décharges dans sa colonne vertébrale, et finalement elle a fait des tests, un IRM, et ils ont appris que, eh bien, elle était atteinte de sclérose en plaques, la sclérose en plaques qui peut se développer de manière différente selon les individus. Elle, ça se ressent principalement par, je vous dis, des décharges, des fourmillements, elle sait pas tenir très longtemps sur ses jambes, etc. Enfin voilà, il y a des phases où tout va bien, des phases où rien ne va. Et du coup, elle nous raconte dans ce texte eh bien, comment elle a géré la nouvelle avec son compagnon, comment ça impacte son quotidien, et surtout, c'est un partage d'expérience, en fait, super positif en fait. On a appris plein de choses, mais en même temps cette BD est très lumineuse, bien que difficile. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'au final elle parle de tous les points négatifs forcément, de comment ça l'a impacté psychologiquement, comment elle vit, et que tous les jours ne sont pas, enfin comment elle vit cette maladie et que tous les jours ne sont pas faciles, mais elle garde vraiment ce rapport positif à la vie. Elle veut tirer en fait de tout ce qui est positif autour d'elle, de ses enfants, de son compagnon, de ses voyages, etc. Voilà, tirer vraiment le meilleur de ses jours positifs pour mieux vivre les jours négatifs. Et du coup voilà, j'ai appris énormément de choses sur la sclérose en plaques, parce qu'au final c'est une maladie, je connaissais le nom mais je connaissais pas vraiment tous les symptômes, et c'est d'autant plus difficile à vivre que parce que c'est une maladie invisible. Du coup même elle, à un moment par exemple, elle va chez Ikea je pense, et elle veut acheter de la déco, etc., et il y a une file énorme. Et tout d'un coup elle sent que ça va plus au niveau de ses jambes, mais vu que c'est une maladie qui se voit pas, elle se sent pas légitime à demander à dépasser les gens. Et donc par exemple elle va remettre tout en magasin, et finalement elle va pas acheter ce qu'elle avait rassemblé. Voilà, dans ça j'arrête. Voilà, je crois que c'est un très bel ouvrage que je vous conseille fortement, avec des super belles illustrations. Je vais vous filmer tout à l'heure des petits inserts que je vous mettrai pendant que je parle, mais voilà, c'était magnifique, vraiment c'était bouleversant. Ensuite, toujours chez Le Duc, parce que là c'était chez Le Duc Graphique, celui-là c'est chez Le Duc Graphique aussi. Ça c'est une BD beaucoup plus légère qui m'a fait énormément rire, parce que elle résonne énormément évidemment en moi, jeune parent. Mais je pense que c'est une BD que vous soyez parent ou pas, ça vous évoquera des souvenirs d'enfance, ou bien vous avez déjà sûrement lu des BD, des livres à un enfant. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est un père ici qui nous raconte ses moments de lecture d'histoire avec son enfant, et plein d'anecdotes du coup autour de ces histoires. Du coup en fait chaque planche c'est une petite histoire. Par exemple ici on a une histoire invérifiable, où on commence à chaque fois avec ici une histoire, et en fait cette histoire est en lien avec ce que le papa est en train de faire avec son fils. Donc là par exemple on a un personnage qui souffre énormément du dos, qui doit chercher partout quelque chose dans une grotte ou je ne sais plus quoi, et en fait c'est le papa qui doit regarder sous le lit s'il n'y a pas un monstre. Voilà, c'est plein de petites anecdotes en fait, mais transformées en histoire. Vraiment on plonge dans l'univers des histoires pour enfants, et voilà, c'est le chien qui a...
à boire. Voilà, on explore en même temps l'imagination des enfants et c'est vraiment drôle, c'est décalé, c'est tendre, ça met du baume au cœur et c'était vraiment un très très chouette ouvrage et ça rappelle aussi l'importance de la lecture pour les enfants. Et en même temps, nous, quand on lit ces livres pour les enfants, on redécouvre la beauté du monde en fait à travers leurs yeux qui sont émerveillés pour rien. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai beaucoup ri surtout en lisant ce petit ouvrage. Ensuite, j'ai lu une BD que j'attendais avec impatience, c'est le tome 3 du Château des Animaux. On part par contre cette fois dans un univers beaucoup plus sombre. Je vais pas trop vous résumer ce tome 3 puisque c'est un tome 3. Mais donc ici, globalement, en fait, c'est une réadaptation de La Ferme des Animaux de George Orwell. Mais voilà, ici, les auteurs, l'auteur, le dessinateur, mais voilà, le scénariste, c'est complètement réapproprié l'histoire. Et donc ici on va avoir des animaux qui vont être exploités par un grand méchant taureau, Silvio, et vraiment ils sont exploités, le taureau et les chiens, parce que les chiens c'est les chiens de garde, vont complètement les esclavagiser, les réduire en esclavage. Ils sont vraiment épuisés, ils doivent beaucoup travailler pour très peu en retour, et voilà, et du coup ça remet en question forcément la dictature, ça remet en question le communisme, il y a évidemment beaucoup de liens. George Orwell, son livre à la base c'est pour se moquer du régime communiste installé hein, pendant au XXe siècle, et il y a beaucoup de réflexions qui découlent de cette histoire, ça va plus loin que George Orwell, voilà, il y a vraiment beaucoup de... C'est encore plus creusé, on va dire, que le roman de George Orwell, parce que bah ici, on va plus loin au niveau, enfin, au fur et à mesure que les tomes avancent. Et c'est une BD très touchante, parfois très violente, parfois très triste. Les dessins sont juste magnifiques, je suis amoureuse des illustrations. Voilà, c'est vraiment une très 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 belle saga. Là, je vois qu'il y a le tome 4 qui va sortir, je ne sais pas quand, je vais éternuer. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Je ne sais pas si ce sera le dernier tome. Ou s'il y en aura encore, mais en tout cas, je continuerai à les savourer, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai lu Vampiria de Victor Dixon, donc Vampiria Inquisition. Victor Dixon est illustré par Eder Messias. Ici, si vous avez lu Vampiria, la première trilogie qui est sortie, c'est une histoire complètement à part. Donc on est toujours dans l'univers des vampires, on est toujours dans ce monde vraiment avec donc Louis XIV qui a été vampirisé, etc. Et du coup, le temps a été figé pendant des siècles, donc ça fait 3 siècles que le temps s'est arrêté. Et donc on a des vampires, on a des humains, voilà, on est toujours dans cet univers-là, mais c'est une histoire complètement à part avec des personnages nouveaux. Ici, on va suivre un jeune jardinier qui travaille dans une maison noble d'humains, vraiment très très aristocrate, voilà. Et il est amoureux d'une des nobles qui vit dans la maison. Et un jour, ils vont avoir une visite qui va complètement bouleverser leur vie, voilà, clairement. C'est une BD qui est très 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 violente au niveau des illustrations. J'ai beaucoup aimé le dessin, mais c'est vrai qu'il y a des passages où... il y a un passage à un moment avec les yeux, j'avais du mal, quoi. Vraiment, mais moi, de toute façon, dès que ça touche aux yeux, j'ai énormément de mal. Voilà, c'est très sombre, très ténébreux, c'est violent, c'est brutal, mais j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Et justement, c'est ce que j'aime bien dans les vampires, moi, c'est les bons gros vampires méchants. Et là, clairement, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'univers de Victor Dixon. Clairement, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans Vampire Diaries, on est dans une bonne BD de vampires qui sont des vampires. Alors là, ils sont quand même assez civilisés, mais il y a des vampires qui sont forcément moins civilisés que d'autres et qui n'hésitent pas à faire des carnages. Il y a aussi un côté évidemment de dictature. Voilà, c'est très 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 intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Et je termine avec le petit Issa de Issa Doumbia. Donc là, c'est le scénariste, et de Jeanne de Goy et Liroy, je ne sais pas qui a illustré, qui a mis en couleur, je ne sais pas entre les deux qui a fait quoi. Et donc là, c'est publié chez Keynes. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait penser par moments un peu au petit Spirou dans certaines anecdotes. Ici, on a vraiment des planches BD avec à chaque fois une petite histoire. Et en fait, par exemple, ils sont parfois en classe avec une maîtresse. Ça m'a fait beaucoup penser au petit Spirou à ce niveau-là. Mais c'est très différent au niveau des blagues, au niveau de l'humour, au niveau de l'intrigue. Voilà, on suit le petit Issa, tout simplement, dans son quotidien d'enfant. Voilà, je sais pas exactement où est-ce qu'il vit. Je crois qu'il vivait... Je sais plus si c'était dit. Où est-ce qu'il vivait? Oui, dans le 78. Voilà, près de Versailles à Trappe, c'est un T. Je connais pas du tout les quartiers à Paris ou je sais pas quoi là, mais voilà, dans le 78. C'est un Français d'origine malienne, et voilà, et du coup on suit ses petites histoires avec sa famille.
C'était très chouette, vraiment. Il y a des planches qui m'ont fait rire, des planches qui m'ont un peu plus laissé de marbre, mais c'était vraiment de toute façon une BD qui détend complètement. Vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment dans le style des Petits Spirou, des Cédric, etc. Sauf que on rentre évidemment dans une culture beaucoup, enfin, une culture très différente de Cédric, etc. Dans le sens où ils font le Ramadan et tout ça. Et je l'avoue que ça fait du bien d'avoir une BD justement où on met en avant des personnages qu'on voit finalement très peu en BD, des personnes noires, des personnes musulmanes. Voilà, on met en avant vraiment cette culture et je trouve ça vraiment très chouette et ça change. Et du coup, eh bien, j'ai vraiment passé un bon moment avec cette BD. Voilà, c'est tout pour ce petit point de lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces ouvrages vous tentent ou si vous en avez lu certains. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !